Ça qu'a fait Zamim, comment y est, je dis à la petite vidéo ça, moi je viens voir quelques techniques pour apprendre à parler en langue, quelle que soit l'anglais, anglais, espagnol, chinois, français, n'importe l'anglais, je viens voir quelques petits conseils pour être capable d'aider à parler l'anglais. Puis, bien, pas oublier si vous pouvez abonner à la chaîne, donc pourquoi suivre nous sur Facebook, faites ça pour ne pas rater une dans la vidéo. Rapide Academia, c'est un channel éducatif qui là pour enseigner langue à un paquet l'autre bagaille. En entrant dans le sujet à Konya, parler en langue capable d'un bagaille très difficile. Difficile pas parce que l'anglais en soi c'est un bagaille qui est compliqué, mais parce qu'il a demandé pour faire un pile effort, il a demandé pour faire un petit effort. Donc si vous faites effort ça, là très facile pour vous pour parler en langue. Si vous ne voulez pas faire effort ça, une langue qui est vraiment difficile pour vous apprendre, vous pouvez passer une éternité dans un pays où vous essayez de parler une langue, vous ne pouvez jamais parler. En pour exemple, un petit monde petit, un bébé, il veut parler une langue sous 3 à 4 ans sans qu'il ne parle dit tout. Il est juste emmagasiné tout ça le temps de, tout ça le temps de. Chaque jour, juste il veut dominer l'anglais. Eh bien, comment il fait ça? Parce que si vous l'avez exprimé, expressarse, ou bien parler, hablar, si vous l'avez toujours exprimé, il y a un pile haïtien qui étudie Saint-Domingue, Mexique, bien dans n'importe quel pays où parle espagnol, et puis là où tu as parlé, où elle parle tant pour un débutant. Pas vraiment, ouais, son monde qui a étudié dans le pays où parle espagnol, ou façon la parler. Eh bien, qui ça fait ça? C'est parce que le monde sait, il peut exprimer. Nous avons des fausses en Haïti. Nous toujours pas exprimer nous pour nous barrer nous si nous faisons faute. Même exemple, si bébé a nous se prend. Si bébé a toujours à exprimer, il toujours à parler, il dit mot avec faute, il mal prononcé, même les pas bon, jusqu'à quand il arrive à dominer l'anglais. Il arrive à parler, il parle clair, même gens à tout le monde. Donc, nous avons besoin d'exprimer nous pour être capable de parler en langue. On moun ka gen pile connaissance dans l'anglais, mais elle a parlé ou senti son débutant qui a parlé pour qui ça? Parce qu'elle pas jamais l'exprimer. Conseil pambou, chaque fois ou jouen opportunité pour parler, pour exprimer dans langue pas prendre, pas hésiter faire ça. Ou jouen possibilité pour parler à un monde, fait qui pour présenter quelque bagarre en côté, parler en public, toujours profiter faire ça et puis ou après, au bout de quelques mois, quelques années, ou bien un expert, ou ka exprimer, ou ka parler l'anglais sans problème. Même si son débutant fait qu'à commencer, pas peur parler. De pour jouer une opportunité pour parler, c'est dégager, parler. Une deuxième bagaille. Nous souvent entendons haïtien abdi et y a un problème vocabulaire. Vocabulaire. Moi, je t'ai dit que yon langue, c'est yon ensemble de vocabulaire parce que tout mot, c'est vocabulaire. Comment nous apprendre vocabulaire? Est-ce qu'on peut arrêter et ou juste tomber à apprendre vocabulaire juste pour venir parler en langue? Non. Mais si on partit dans l'apprentissage, là, comment apprendre vocabulaire? Ou peut apprendre vocabulaire si on classifie vocabulaire ou fait une liste de tout mot vous voulez apprendre, ou choisir un thème. Par exemple, on dit choisir thème et cuisine. En dans cuisine, vous avez besoin de fourchette, vous avez besoin de four, vous avez besoin d'un paquet de bagailles. Ou qu'à faire une liste de 8 à 15 mots. Plus que 15, il est difficile pour apprendre. Ou faire une liste de 8 à 15 mots. Ok? Sur un thème, bien spécifique, ou qu'apprendre sport, ou qu'apprendre n'importe quel thème. Et puis, ou fait phrase avec mot choisi. Tout mot choisi, ou fait phrase avec. Ou écrit toutes nos feuilles, et puis, ou réviser vocabulaire ça, plusieurs fois par jour. Deux fois, trois fois par jour, si vous capable. Ou qu'a fait ça pendant minimum deux à trois jours. Ou qu'a fait pendant plus de temps, ou fait, et puis, ou après, comment maîtriser vocabulaire ça. Pas bien de tout marcher ensemble.
vocabulaire ça que vous apprenez, pas oublier leur parler pour utiliser, OK? Faites une liste de vocabulaire que vous voulez apprendre, 10 12 quantité mot vous voulez, lire plusieurs fois par jour. Vous pouvez lire le matin, le soir avant de dormir, faire phrase avec vous et puis lire pendant plusieurs jours jusqu'à arriver à dominer le terme et puis toujours utiliser tout ce qu'on a, tout ce qu'on apprend, les parler depuis que j'ai une opportunité pour utiliser. L'autre bagaille nous a fait, nous capables de lire. Dernièrement, on parle à un ami, il dit, de nos jours, moun pa li encore. Moun pa li. Est-ce que moun pa li vrai? Moi capable de dire, kounya, moun pa chita, pou y ap li liv, jan longtemps, je te kon fè ça, à cause internet, ou ka li, kounya, sou internet là, sans qu'on pa besoin gon liv, sans qu'on pa besoin gon journal nan menon. Li pi facile penser de moun pou li konsa gen liv en PDF mais nous tout nous toujours li même si nous pa li on liv mais nous li quand même des articles donc bagay ki intéresse nous tout moun gen des thèmes ki yo remen par exemple moi même moi remen langue moi remen sport et moi remen bagay ki parler de santé dès que sorti un article sur m'ap li yo monte là sur internet moi sur Facebook moi mon article sur santé m'a plil parce que moi même li t'aime ça donc ou bon thème moi même quand même si c'est gastronomie si c'est mécanique toujours li sous thème moi même chercher bagaille des articles pour li sous ça remen ou li quand même tout monde remen li non juste li bagaille qui intéresse sous remen et cinéma ou li bagaille qui gagne rapport à cinéma dernier film qui va sortir les parler de un acteur donc ou li quand même nous tout nous remen li profiter li et puis pendant ou ap li toujours noter mot que ou pas comprendre chaque fois tomber sur un mot que ou pas comprendre noter bon liste pour ça noter mot ça et puis écrit définition chercher définition dans dictionnaire pas seulement chercher les vous dire ça veut dire mais écrit dans liste ka gon cahier pour faire tout ça dur là écrit définition ça et puis cahier ça toujours réviser toujours réviser après vocabulaire que on va apprendre pendant semaine là et puis sous tes lis des articles tu gagne des mots va comprendre on va rencontrer avec tout donc ça a aidé à améliorer langage. Quatrième bagaille tendez escuchar entendre oir me dit même bagaille là aussi ou gen va konnen pile bagaille nan langue mais les mon a parlé ou pas tande ou pas comprendre souvent nous dit moun yo si parler ou parler trop rapide qui fait nous pas comprendre et bien ou ka améliorer ça comment ka améliorer ou n'y a la sur internet là gan pile en pile en pile bagaille nan toute langue ou ka abonner en série de channel OK suivio gen channel c'est interview yo fait a star donc nan langue ou vle ou ka wè ça sou internet là ou capable tande musique OK ou capable tande musique ou capable garder des films toujours tande musique ki ou remè OK c'est que pas le temps de musique parce que me doit faut temps de musique m'pa connaît ou pas prendre anglais ou bien on va prendre espagnol ou tomber dans n'importe musique chercher musique qu'on aime pour tande si vous capable chercher et lettre musique là ou tande de musique là ou vraiment connaît qui sa musique là dit OK ou tande musique là mon chercher lettre sur internet ou comprendre sa musique là dit garde film que ou est déjà on film ko wè déjà ou kon film nan par cœur ou kon film nan bien mais gardé nan langue ou pa apprendre nan puisque déjà kon film nan la vin pi facile pour ou tande sa ap di nan film nan des fois ou ka mete sous-titre tout ça pa dépend de ki kote ou ap gade film nan ki jan ap gade ka mete sous-titre pendant ap gade film nan
ça yo di a, li paraît li écrit dans écran. Ka utiliser méthode ça yo pour tendre, pour tendre. Donc si combiner tout ça me dit ou là yo ensemble, tout net, la difficile ou pas améliorer façon ou exprimer. Pas oublier me dit toujours exprimer ou toujours parler le jeune occasion pour faire ça. Fais une liste de vocabulaire ou voulez apprendre, choisir un thème bien spécifique et puis prends 8 à 15 mots environ, repassez chaque jour, regardez pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous-même vous trouvez que vous dominez. OK, lis. Tout le monde ne doit pas voulez lire un livre. OK, vous ne doit pas faire ça vous-même. Si vous aimez lire, continuez à faire ça, achetez livre, lis. OK, il y a livre pépé, donc faut qu'a toujours faire ça. Mais sou pa moun k ap chita li yon liv, donc li des articles ki enteresan, de bagay ki enterese yo, chache article sou tem ki yo remen pou li yo chak jou. Mwen konnen anpil ay se remen football, mwen bon seri de aplikasyon e sou internet la bon seri de page. OK, ou ka li bagay ki gen rapport ak sport, si ou remen sport anpil, sou remen santé, sou remen n'importe tem ou remen an, donc li sou tem la, OK? Sa apre de yo. Pendant ap li, notez mon pas comprendre et puis écrit définition moyo pour tendre nous capable inscrire et sur des pages et channel sur YouTube. OK, tendre musique, regarder film, bagaille cour remain en façon pour améliorer écoute. Et puis dernier bagaille pour faire avant aller cliquer abonner à Rapide Academia si ou bien intention apprendre espagnol, améliorer espagnol ou parce que nous toujours publier des et des vidéos pour nous parler de langue ça. Nous gagne pile l'autre coup qui a venir dans route, mais en attendant, c'est espagnol n'a partager à nous. Si vous intéressé fait ça, pas oublier suivez-nous, partager contenu, commenter, le publier. N'a toujours être connecté, n'a parler ensemble dans commentaire, parfois m'a live tout pour nous parler face à face une façon pour m'aider améliorer espagnol. N'a pas eu, n'a pas eu l'autre vidéo.